Les forces de l'ordre ont procédé ce matin dès 8h à l'évacuation d'un squat rue des Dervalières à Nantes. Une vingtaine de jeunes migrants y avaient trouvé refuge depuis plusieurs mois. Ils ont quitté les lieux dans le calme, accompagnés par des représentants d'associations. La rue a été fermée à la circulation une bonne partie de la matinée. Et justement, hier, 300 personnes ont manifesté dans les rues de Nantes pour alerter sur la situation des mineurs isolés étrangers. Ils seraient de plus en plus nombreux à être confrontés à un flou juridique. Jean-Michel Naga. Solidarité avec les mineurs isolés. Solidarité avec les mineurs isolés. Ils sont dans une véritable impasse juridique, des étrangers isolés, déboutés du droit d'asile car les institutions ne les reconnaissent pas en tant que mineurs. L'État passe leur temps à mettre en doute leurs paroles. Donc au lieu d'être accueillis dans des bonnes conditions et qu'on les aide à se reconstruire et qu'on les aide à s'insérer, au départ, déjà, on considère qu'ils mentent. Et ce sont bien les tests de minorité qui sont pointés du doigt par ces jeunes exilés. Les critères retenus leur semblent injustes. Ils nous jugent sur notre morphologie ou bien sur notre façon d'être habillés, notre manière de réfléchir, notre manière de nous exprimer en français. Et tout. Donc c'est un peu ça qu'on essaie de revendiquer aujourd'hui quand nous sommes tellement nombreux à la rue. Officiellement, ils ne sont ni mineurs, ni majeurs et n'ont droit à aucune aide. Une situation totalement inextricable. Tout le monde se renvoie la balle, surtout quand il s'agit de l'aide sociale à l'enfance. Normalement, c'est le conseil départemental qui gère, mais bon, en même temps, tout ce qui est la question de l'hébergement, ils vont nous dire que c'est pas eux, c'est la préfecture. Et donc tout le monde se renvoie la balle, la mairie, le conseil départemental, l'État, et puis ça tourne comme ça. Et finalement, tout le monde nous dit oui, on comprend bien, mais personne ne fait rien. Aujourd'hui, 200 jeunes sont dans cette situation à Nantes. Les associations qui leur viennent en aide avouent être totalement débordées. Pour la deuxième fois, la Chambre des métiers et de l'artisanat de Loire-Atlantique organise l'action Artisan d'un jour. Son principe, inviter les décideurs locaux à vivre le quotidien d'un artisan pendant une demi-journée. Benoît Balti. Il a porté les cartons, déballé le matériel, aidé au montage d'un vélo. Le président du conseil départemental serait-il en pleine reconversion professionnelle ? Si je devais faire une reconversion professionnelle, je suis peut-être un peu âgé maintenant, mais en tout cas, c'est un milieu qui m'aurait plu. Évidemment, le milieu du vélo, l'artisanat, la relation avec les clients. Et bon, venu ici et pour illustrer aussi, pour mettre en valeur les artisans de Loire-Atlantique. Alors, il y a une pédale droite et une pédale gauche. Et la pédale gauche, pas de vis à l'envers. En réalité, Philippe Grosvalet a accepté de relever le défi Artisan d'un jour, un dispositif mis en place par la Chambre des métiers de l'artisanat. Le président du conseil départemental s'est prêté au jeu et pendant une matinée, il s'est mis dans la peau d'un ouvrier mécanicien. On a demandé au patron ce qu'il pensait de ce nouvel apprenti. Il a fait deux, trois petites choses. J'ai pas forcément assez d'éléments pour dire si c'est un bon apprenti, mais enfin, il est à l'écoute, donc plutôt oui, je pense qu'il a des aptitudes. L'idée, c'était qu'ils se rendent compte un petit peu, nous, notre quotidien, que je suis peut-être chef d'entreprise, mais que je suis amené à tout faire ici au magasin. Et c'est là tout l'objectif de cette immersion, faire prendre conscience aux décideurs des problématiques quotidiennes de l'artisanat. En 2017, 7 personnalités ont participé à Artisan d'un jour, du directeur de Pôle emploi, en passant par des élus locaux. Quand on a une action concrète qui est sur le terrain, où on a un échange pendant une matinée qui est convivial, qui permet de voir, de discuter et autres, je pense que cette action-là est pertinente et est vraiment la réalité des choses. Pour mémoire, l'artisanat en Loire-Atlantique représente près de 20 000 entreprises. De très nombreux fans s'étaient donné rendez-vous hier au centre commercial de Beaulieu pour rencontrer et photographier Black M. Le rappeur était en promotion pour sa prochaine tournée, Olivier Caillé. Voilà ce que donne la rencontre du chanteur Black M avec ses fans. Hier, ils étaient plusieurs centaines dans une galerie commerciale nantaise à avoir répondu présent pour approcher leur idole. Invité d'une émission de radio pour faire la promotion de son nouvel album, le rappeur a partagé son temps entre autographes, photos, jeux de questions-réponses avec des auditeurs privilégiés et s'est même laissé aller à chanter quelques paroles d'un de ses succès. Yeah. Il n'y a pas de mots. C'est
incroyable. On réalise pas en fait. Il est super sympa et il est hyper proche de ses fans, il est hyper accessible, on a pu prendre des photos et tout. Ça fait que j'ai réalisé mon rêve d'enfance, comme Damien. Ouais, moi aussi. On est des fans de Section d'Assaut depuis très longtemps. On est là depuis le début. C'est quelqu'un qui véhicule des bonnes valeurs et c'est quelqu'un qui a quand même une certaine joie de vivre et c'est plutôt positif. Il chante bien. Pour tout le monde, quoi. C'est de la bonne musique, la musique qui est entraînante et qui donne envie de bouger. À chaque fois que je viens à Nantes, ne serait-ce que pour des petites promos, eh ben ils sont au courant, ils se renseignent. Là, on m'attendait déjà à la gare. Ils sont super chauds. Et hier, Black M aura pu le constater une nouvelle fois. Il sera d'ailleurs de retour à Nantes au Zénith le 10 mai prochain.